Ce soir, vous allez avoir différents intervenants et intervenantes qui vont vous expliquer qu'il faut oser apprendre à étudier, oser apprendre à prendre des risques, à ouvrir des sociétés, à changer de profil de carrière, apprendre à aimer et à être aimé, apprendre à être soi, aimer et apprendre à voyager. Et en fait, j'aimerais vous donner deux idées qui, pour moi, aujourd'hui, sont des deux idées essentielles. La première idée, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes partis dans une course en avant vers la productivité, vers le rendement, vers la performance, vers sortir le meilleur de nous, de nos sociétés, de nos entreprises, de nos pays. Et la deuxième idée, c'est que le cerveau humain aime bien contrôler, on aime bien maîtriser. La personne qui est intervenue juste avant moi a dit prendre des risques, mais en même temps sortir de sa zone de familiarité ou de sa zone de confort, mais on n'aime pas beaucoup ça. Pour illustrer ces deux idées, la première, c'est celle de la rentabilité, du rendement, de la prise de risque. Je vais dire de manière très frappante, de la course en avant. Nos sociétés, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont toutes parties dans cette course de la compétitivité, de sortir le meilleur de nos entreprises, de rendre les gens de plus en plus performants. Et puis on est parti dans cette dynamique de ce cycle tellement puissamment qu'à un moment donné, on a oublié d'avoir des repères. L'exemple de Fukushima, il n'y a pas très longtemps au Japon, est un de ces exemples. La semaine dernière, j'étais sur une plage avec ma femme, entre Rabat et Casablanca, et je cherchais des inspirations, je cherchais des idées. Et j'ai été sur cette plage, une des plages les plus belles du Maroc, comme savent l'être la plupart des belles plages du Maroc, du sable blanc, une plage bleue, puis des gens qui bronzent. Et puis vous savez, quand on est sur une plage, on veut avoir une propriété. On aime bien avoir un petit bungalow, une maison au bord de l'eau. Et la meilleure position qu'on peut avoir pour une maison, c'est quoi? C'est le fond de mer. On appelle ça pied dans l'eau. Ça vous va pour la métaphore? On appelle ça pied dans l'eau. Et puis, il y a des gens qui sont... Ils ont acheté, ils ont eu de la chance, et ils sont déjà pieds dans l'eau, ils sont front de mer. Puis il y a un petit malin qui veut être pieds dans l'eau, il vient et il s'installe devant. Et puis celui qui est derrière, il avance encore de 5 mètres. Est-ce qu'il a fondé ou il n'a pas fondé, peu importe, mais il avance. Il avance vers la mer. Et la nature, la vie, finit par reprendre le dessus en disant à l'homme, fais attention, garde le sens de la mesure et le sens des perspectives. Et si vous faites très bien attention à ces maisons, vous regardez qu'il y en a beaucoup qui sont brisées. Alors voilà une très belle plage, avec des maisons qui sont en front de mer. Et non seulement ces maisons sont pieds dans l'eau, mais elles sont également le toit dans l'eau. Il y a eu une vague au mois de janvier, une autre au mois de février. Et la plupart des maisons qui sont en front de mer, la force de la nature. Et quand l'être humain cherche à dompter la nature, à faire mieux que la nature, ou quand l'être humain croit qu'il est plus intelligent que la nature, et que la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se venge. Alors les maisons qui étaient pieds dans l'eau maintenant, elles sont, comme je disais, toit dans l'eau, et ceux qui étaient au deuxième rang, maintenant ils sont pieds dans l'eau. Et c'est un cycle infernal. Et ça peut continuer comme ça. Cet exemple que je vous ai montré, c'est, on va dire, c'est du génocide. C'est de la construction, c'est des fondations. Et puis c'est des gens qui ne savent pas avoir le sens de la mesure et de la perspective. Mais dans tous les domaines, ça existe. Dans le domaine de la finance, il y a quelques mois, comment s'appelle-t-il? Jérôme Kerviel, vous vous rappelez de la Société Générale, a pris des risques énormes avec l'argent de la banque et il a flambé l'argent, comme on dit au poker. Il a pris des risques parce que c'était la course en avant du rendement, de la rentabilité, des prises de risques. Il fallait faire beaucoup d'argent et très vite. Et ça, il y a un manque de déontologie certaine. Et aujourd'hui, ce monsieur nous dit, ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait peut-être un peu mieux que tout le monde. J'ai fait un peu plus vite que tout le monde. Je n'ai pas respecté les règles de la vie. Quand on parle également de la chimie, quand on parle de la chimie, les chimistes, ce sont quelque part des apprentis sorciers. Ils nous ont créé le plastique. Je regardais un article ce matin sur Facebook, à travers un journal, je ne sais plus lequel, qui parlait d'un continent de plastique dans l'Atlantique Nord. Regardez ça. Il y a un endroit où tous les courants marins transportent tous les plastiques qu'il y a dans l'océan Atlantique et les amènent dans un endroit qu'on appelle maintenant le continent du plastique. Et qu'est-ce que font les poissons? Ils mangent ce plastique.
Mais le plastique, c'est quoi? Le plastique, ce sont des perturbateurs endocriniens. C'est des poisons. Donc on est en train de créer des produits, soi-disant, pour sauvegarder l'homme. Et en fait, on est en train de tuer la chaîne de la vie. Parce qu'on ne respecte pas la vie. Et nous, au Maroc, eh bien, on peut aller dans le Sahara, dans le désert marocain, on peut aller autour des villes, on peut aller dans les villes, on peut aller au bord de mer et voir tous ces plastiques qui sont en train de s'accumuler et que parfois, eh bien, nous aussi, on mange. L'industrie chimique a oublié de respecter la vie et n'a pas pris ses limites. L'industrie chimique, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sachant qu'avant, elle avait créé l'agent orange. C'est un outil de combat extraordinairement terrible. Ça tue tout et ça tue la vie. Quand on a fini la Deuxième Guerre mondiale, les industries chimiques, certaines industries chimiques, ont dit, mais tous ces produits qu'on a créés pour la guerre, qu'est-ce qu'on va en faire? La meilleure manière de faire avec tout ça, c'est de l'utiliser pour la terre, pour le sol. Donc ils sont partis sur l'agriculture et ils nous ont créé ce qu'on a appelé des pesticides, des insecticides, des fongicides. Et on a arrosé le sol pour soi-disant, rappelez-vous ce que je disais au début, faire plus de rendement, faire plus de productivité, gagner plus d'argent. Mais quand on met du poison chimique dans le sol, qu'est-ce qu'on fait? On tue le sol. On tue les vers, on tue les micro-organismes qu'il y a dans le sol, on tue les abeilles, on tue les papillons. Et tous ces animaux créent la vie sur le sol. Et les plantes qui donnent notre alimentation, l'alimentation végétale, viennent de ce sol. Et là aussi, on est dans un cycle de destruction qui est, nous sommes en train de manger des produits tous les jours, fruits, légumes, qui sont très beaux. Vous avez remarqué, ils sont de plus en plus gros, de plus en plus avec de belles couleurs. Les fraises aujourd'hui, c'est devenu des pommes. Les pommes, c'est devenu des melons. Les melons, c'est devenu des pastèques. Et on est content de s'arracher ça et on a oublié même le goût de ces produits. Alors là, je vous ai montré quelques photos de qu'est-ce que c'est qu'un épandage de pesticides. Regardez ça. C'est ça qu'on mange. Et puis on nous fournit des poissons qui n'ont jamais existé. Et puis des vaches qui n'ont jamais existé. Parce que ça, ce sont des kilos de viande. Ça se vend très très cher. Alors quand on aime l'épaule, vous avez une belle épaule à manger. Là. Il y en a au moins pour deux mois. Et on commence à voir apparaître des animaux qui n'ont jamais existé. Alors non seulement les chimistes et l'industrie chimique nous a développé des pesticides, des fongicides, etc., tout ce dont je parlais, mais depuis quelques années, ils nous ont inventé des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire l'apprenti sorcier avec la vie. La nature mélange les graines, mélange les semences, mais elle le fait sur des milliers d'années, et là, en quelques dizaines d'années, on est en train de mélanger ça. Alors, il faut avoir l'idée en tête suivante. C'est qu'ils font des tests, bien sûr qu'ils font des tests, ils ont des laboratoires de recherche, ils font des tests. Ils testent ça sur les rats. Eh bien, un OGM est testé sur un rat pendant 3 mois, sauf que nous, on en mange pendant des années. Et on mange une pomme qui a 27 pesticides, on mange un melon qui en a 15, et dans notre corps, tout ça se mélange, et ça fait un effet cocktail. C'est pas du tout étonnant qu'aujourd'hui, on ait une explosion, et on dit même aujourd'hui entre spécialistes, c'est une épidémie de cancer. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je ne vais pas trop prolonger là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont sages, qui sont pondérés, qui ont le sens de la mesure, et qui regardent, on dit, cadrer et recadrer la problématique avec le respect de la vie. Et qu'est-ce que font ces gens-là? Ils nous disent, mais avant, à l'époque de nos grands-parents, c'était bon la nourriture. Il y en avait suffisamment pour la planète. Ce rendement qu'on a cherché, finalement, il a abouti à quoi? Est-ce qu'il a résolu la faim dans le monde? Nous avons 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. Nous avons 3 milliards de gens sur la planète qui sont au-dessus de la seuil de pauvreté. Ce modèle ne marche pas. On a atteint la limite. Et tous les spécialistes, les agronomes notamment, nous disent « Nous allons vers le mur si on continue. » Eh bien, il y a des gens qui ont vu le mur arriver et ils sont en train de faire… Ce n'est pas marche arrière. Ils sont en train d'utiliser la sagesse de nos grands-parents pour faire une culture moderne, mais en utilisant un certain nombre d'outils et de techniques qui respectent la vie et la nature. Alors, vous allez entendre de plus en plus autour de vous, j'en suis persuadé dans les années à venir, l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est le goût de nos grands-parents, c'est la couleur de ce qu'ils mangeaient, c'est tout ça, mais avec la modernité. Donc il ne s'agit pas d'oublier la modernité, il ne s'agit pas d'oublier la technologie, il s'agit de l'utiliser à bon escient et pas comme des apprentis sorciers. Le bio, c'est ça.
Et le bio, aujourd'hui, est en train de démontrer que, finalement, toutes ces maladies dont on parle peuvent disparaître rapidement si on fait attention à ce qu'on mange. Parce que n'oublions pas la phrase du philosophe, nous sommes ce que nous mangeons. Donc, faisons attention à ce qu'on mange et ne perdons pas le contrôle au profit de grands intérêts multinationaux qui sont en train de nous engloutir avec des publicités que nous regardons tous et qui finissent par nous entraîner dans du fast-food où on ne sait pas ce qu'on mange. En tout cas, la viande de ce fast-food, ce n'est pas de la viande. D'aller manger des cuisses de poulet qui ne sont pas des cuisses de poulet, de manger du pain, ce n'est pas du pain. On ne sait plus ce qu'on mange parce qu'on est pris dans la pub. Et donc, non seulement il faut dire attention à ceux qui décident ce qu'on mange, mais nous, en tant que consommateurs, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Il faut être sage et décider qu'est-ce qu'on met dans le ventre. Parce que contrairement à ce que disait mon père, les intestins, ce n'est pas des tuyaux. C'est des organes vivants. Et je vous en parlerai dans une seconde. Donc je vous ai parlé de ça. La montre ne marche pas là, en passant. Donc vous allez devoir me donner l'heure avec vos doigts. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est on aime le contrôle, on aime bien maîtriser. La médecine, depuis, on va dire, l'inventeur de la médecine moderne, qui est René Descartes. René Descartes a dit dans le discours de la méthode, vous vous rappelez, je pense donc je suis, et il a mis en évidence le fait que l'esprit et le corps sont deux entités séparées. Nous sommes en train de démontrer depuis quelques dizaines d'années que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, que tout ça communique, et que nous sommes des êtres holistiques, c'est-à-dire que l'ensemble est important, les parties de l'ensemble sont importantes, mais les interactions entre les parties et l'ensemble sont importantes. Et c'est pour ça que quand vous allez voir un médecin spécialiste, lui, il va vous regarder le cœur, celui des intestins, le gastro-entéro, il va vous regarder les intestins, etc., etc. Mais en fait, notre problématique est souvent, pas toujours, mais souvent holistique, tout est lié. J'avais été voir un acupuncteur chinois, il m'a appuyé sur le bas de la plante des pieds et j'ai eu mal aux intestins. Ça fait quand même bizarre. Et puis après, il a commencé à me travailler mon oreille et il me dit « je suis en train de masser la rate ». Et cette technique, elle marche. La différence dans cette technique, c'est que ce sont des techniques holistiques. Elles prennent l'être humain comme un ensemble et elles traitent dans la prévention. Avec la prévention, on ne fait pas beaucoup d'argent. Je ne veux pas ici critiquer la médecine, je veux critiquer une certaine médecine qui est pour la rentabilité, la recherche de l'argent. Quand vous allez voir un médecin qui vous ausculte ou pas pendant 10 minutes, 15 minutes et qui vous donne une ordonnance, ça fait rapide 10 minutes, 15 minutes. Et vous allez avoir des talentueux coachs tout à l'heure qui vont vous parler, qui vont vous dire ce qu'on fait, ça marche. Et ils n'ont pas tort, parce que le coach prend son temps. Et il croit en quelque chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui viennent au coaching, qui viennent à l'hypnose, qui viennent à la PNL. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important avant d'accompagner quelqu'un vers le bien-être, c'est d'abord de bâtir un rapport avec lui. C'est d'abord qu'il se sente en confiance. Et puis qu'il prenne le temps, donnez-moi le temps, à propos de temps, donnez-moi le temps, sinon je peux parler pendant une heure. Il reste 10 minutes. Ouais, je suis très vite. 5 minutes, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Très bien. Donc moi je prends 10 minutes. Donc, quand on bâtit un rapport avec quelqu'un, la première chose que fait cette personne, c'est d'être en confiance. Et donc elle s'ouvre à vous. Et elle vous donne des éléments, elle vous donne des informations. Mieux que ça, nous qui travaillons en hypnothérapie, et il y en a parmi vous dans la salle, on travaille en hypnothérapie, parce qu'on fait de l'hypnose. Pour faire de l'hypnose, il faut travailler avec le cerveau de la personne, mais il faut que la personne s'ouvre. Sinon, elle est en contrôle. Rappelez-vous ce que je disais, on veut contrôler, on veut se protéger. Et l'inconscient qu'on va chercher avec l'hypnose, c'est justement la partie qui se laisse aller, qui est sage, qui est tranquille, et qui a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le lien avec le système immunitaire. J'ai parlé tout à l'heure de la nature, rappelez-vous. Mais la nature a une capacité de résistance, elle a un système immunitaire, elle peut se défendre tant qu'on ne dépasse pas des limites. D'accord ? On fait des choses sur la nature, elle finit par reprendre le dessus. Regardez juste le rond-point qui est en dessous en descendant vers la ville, il y a un immense arbre qui est en train de lever toute la route en ciment. Remarquez ça. La vie reprend le dessus dès qu'on la laisse faire. Et elle se bagarre et elle a des énergies énormes. Comme la mer, les arbres, les fleurs, ça pousse. Juste vous leur laissez un peu de temps, ne les tuez pas avec des poisons et ça pousse. Eh bien l'être humain c'est la même chose. L'être humain a un système immunitaire, il a des capacités, il a des ressources personnelles. À chaque fois que vous allez mobiliser, que vous allez générer ça, l'être humain revit plus que survit. Et à un moment donné, il prend la vie en main. Quand on donne ce qu'on appelle, nous, une béquille, c'est-à-dire, il y a un petit mal de tête, médicament.
ça fait un peu mal, on va en clinique. Le mal persiste à un endroit particulier, chirurgie. Si on prend, et les médecins sont en train de revenir sur ça, parce qu'ils veulent le bien-être de l'humanité et de leurs patients, c'est qu'on veut aller mobiliser la capacité de la personne à générer du bien-être. Alors, les médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, il y en a parmi vous qui en prennent, la raison de ça, c'est pour générer de la sérotonine, c'est des hormones de bien-être. Mais les hormones de bien-être, si j'avais le temps, je vous ferais respirer et vous générez des hormones de bien-être naturellement, juste par la respiration. Donc attention à ne pas partir dans cette dynamique de performance, contrôle. Restons sur la nature, la vie, et utilisons les nouvelles techniques et la modernité quand on en a besoin et uniquement quand on en a besoin. Alors je reviens sur ces deux idées pour conclure. La première idée, c'est le bio, c'est la nature. Est-ce que vous savez inventer deux carottes qui sont enlacées comme ça? C'est une belle histoire d'amour. Il n'y a que la nature qui peut faire ça. Et ça, c'est une photo de deux carottes qui sont nées comme ça. Récemment, il y avait une photo de deux bébés, deux jumeaux, qui sont nés en se prenant par la main. C'est extraordinaire. Essayez de faire ça avec la manipulation génétique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, avec la nature, on peut jouer, on peut s'amuser. Regardez ça, c'est magnifique. Ça donne envie de manger ou ça donne juste envie de regarder? De regarder. Ça, c'est du fromage bio. C'est quasiment ce que faisaient nos grands-parents. Ils le font très simplement et chacun d'entre vous peut le faire à la maison. Et puis, l'AMA Bio, c'est l'association du bio dont je suis vice-président. Nous, on cherche à sensibiliser les gens sur le bio pour le respect de la vie. Le respect de l'être humain, et j'en finis, c'est quoi? C'est qu'on nous a dit, rappelez-vous Descartes, mais la science aujourd'hui, la médecine aujourd'hui est en train de découvrir que cette communication dont je vous parlais, elle n'est pas uniquement théorique ou ésotérique, elle est pratique. Nous avons découvert quoi? Nous avons découvert que le système digestif, ce qu'on appelle le système entérique, c'est 200 millions de neurones. Vos intestins sont intelligents. Est-ce qu'il y en a qui le savaient? Vos intestins ont l'intelligence d'un chien. Votre cœur a 40 000 neurones. Votre cœur a le cerveau d'un lapin. C'est pas mal. C'est pour ça qu'on tombe en amour aveuglément, presque. Et à l'intérieur de vos intestins, vous avez 100 000 milliards de bactéries. Vous avez plus de bactéries dans vos intestins que de neurones dans votre cerveau. Alors je vais vous donner un conseil. Écoutez vos intestins. Faites attention à ce que vous leur donnez à manger. Faites très attention parce qu'ils se vengent. Et c'est pour ça que vous êtes constipé, vous avez des diarrhées, vous avez mal au ventre, vous avez des gaz. Donnez-leur à manger bio et écoutez leur intelligence. Parce que tout ça communique. Je vais finir avec ça pour vous dire quelque chose qui est évident, mais qu'on a tendance à oublier. C'est que l'être humain, c'est un esprit, c'est un corps et c'est une âme. Alors de grands philosophes nous ont sorti la loi de l'attraction, mais ça existe depuis la nuit des temps tout ça. Ça a été juste très bien formulé, ça veut dire qu'il faut écouter la vie. Il faut respecter la vie qui est en vous parce que c'est un don de Dieu et c'est un don de la nature. Et il faut respecter votre prochain et votre environnement. Sinon vous déséquilibrez votre vie et la vie des autres.